Sa poko rivo ou envi prontise mon parrain mes surprise ou caché derrière rideau ou abgade sous tête gâteau à en belle graine cerise. Pas content on prend prise, c'est coupé béré chez nous, rachez en yon et puis fait piclise. Car souvent on a peur d'exprimer la valeur qu'on ressent. Oh baby! Avec Netty, l'esprit déjà prentise. N'oubliez pas de nous suivre sur Twitter, Facebook, YouTube et Instagram. Titi's Show, une émission possible grâce à Titi's Studio. L'éducation sexuelle, avec Renette Thomas, les enjeux de l'esprit sont profonds par nos choix. Titi's Show. La musique en Haïti est au service d'une élite économique mafieuse depuis plus de 10 ans. Son système qui est modèle d'artiste, carrément. Et pourquoi, d'après vous, et Jean Roosevelt, c'est un exemple, bien sûr, bien ici, tant d'autres, sont boycottés en Haïti? Dis-moi, c'est ça la question dont on pose. C'est une question que posent certains citoyens bien avisés, bien sûr. Depuis plus de 10 ans, le rabodaï, ce sous-genre musical créé par le chanteur populaire Voix des Îles, disons Fraîche-là, il est devenu un moyen pour dénigrer nos valeureuses femmes haïtiennes. Et pourtant, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est un rythme musical très intéressant, hein, sur qui on peut bouger bien. Mais auparavant, c'était une musique qui charrierait les revendications des masses populaires. Et là maintenant, le rabodaï est devenu un mouvement de dénigrement des femmes. Un mouvement de dénigrement des femmes, d'apologie du sexe. Mesdames, messieurs, alors, on n'a pas besoin de trop réfléchir pour citer des morceaux, et des morceaux qui couratisent, qui grappialisent nos jeunes filles d'aujourd'hui, et avec l'ambassadeur de la culture, celle de la commune de Carrefour, le DJ Tony Mix, nommé qui a été nommé aussi par Jules-Édouard Pierre, yo, un PhDkiste. Eh bien, de nos jours-là, les jeunes ne respectent aucune valeur. Il y a les amis en Haïti qui demandent où est le talent de Tony Mix, Colonel Freeze, Paul Key et tant d'autres. Une question ainsi. Waouh. Et qui leur donne plus de sponsors que même la sélection nationale masculine de football en Haïti? Ce DJ-là a beaucoup plus qu'une trentaine de sponsors. Dans le secteur privé, oui. Les Colimanais, bien sûr. Pendant que notre sélection masculine de football, senior, n'a même pas un seul. Vous imaginez bien. Même bourgeois, qui va isoter la plus à mieux là, je dis à la, on se fait un DDR, fait qu'on est que, et qui c'est ce qui c'est là. Yo. Et bien c'est même bourgeois ça, yo, qui va être un mix sponsor. Bourgeois ça yo qui sima exam na ghetto yo el bay ton mix yo micro depuis plus de 11 l'année et maintenant gade pays. La réalité c'est que ton mix est un très bon élément pour un système aussi pourri. Mais le plus important c'est que il ne traite pas de problèmes sociaux dans ses mixtapes. Aussi simple que ça. Il a un seul devoir qui nous inflige l'État et la bourgeoisie en Haïti. C'est de faire grouiller les jeunes partout. Dans une société où les inégalités sont aussi criantes, on n'a pas besoin des musiques revendicatives. Mais on a besoin des artistes comme Tony Mix, comme Paul Key dans ce pays, c'est ça, comme Colonel, disons, Blondie D, pourquoi pas. Et voilà pourquoi elle, le DJ et les autres artistes ont autant de sponsors. Certains esprits peuvent développer et diront que c'est à cause de sa popularité. Et pourquoi, Zafem? Et madame, monsieur, jusqu'à présent, Dano, là, n'a pas de sponsor. On n'a pas un problème personnel avec le DJ, mais là, on veut montrer le mécanisme du système. Depuis le règne du PHTK, la musique cocorate, avec des artistes de pacotille, sont les seuls privilégiés. Bien évidemment, c'est sûrement ce qui explique que la jeunesse carfroise est un ensemble de têtes d'enfoque, disons. La jeunesse carfroise,
C'est la jeunesse la plus résiliente de la République grâce à Jude Edouard-Pierre. Yes. Le maire AI de la commune qu'il avait nommé ambassadeur de la culture. Eh bien, c'est ce même Jude Edouard qui honore de nos jours le Mono Charlemagne. L'une des artistes les plus revendicatifs dans ses musiques. Et pourtant, Mono était bien vivant lorsqu'il a nommé Tony Mix ambassadeur de la culture à Carrefour. Vous ne le savez pas? Normalement, on devait travailler toute une semaine. Ça, tout le monde le sait. C'est normal, tout le monde prend plaisir le week-end. Et en Haïti, on offre le plaisir 7 sur 7. Rien ne fonctionne dans ce pays à part des programmes de charo à péter. Comment un pays peut-il résumer seulement avec cela? Dis-moi. Nous faire vie, nous à bouiller. Gouiller, gouiller, matin, midi, soir. Et puis après ça, à la merde, l'autre pays pour l'hôpital, l'école et l'atelier. L'État haïtien et la bourgeoisie n'investissent pas dans les artistes qui vont dire aux jeunes que bellez-vous, crasez bête. Du tout pas. Ça ne se fait pas. Et qui est-ce qui gagne de one dans le pays? Pour qui ça n'est noir pas qu'il y a une maquette dans le pays? Pour qui ça n'est qui responsable pour la courant? C'est lui-même de nos jours qui a besoin d'elle quoi avec batterie. Où à côté nous prend? Hein? Est-ce que nous comprenons bien qui ça nous prend? Selon des sociologues, l'art et surtout la musique, c'est l'un des moyens efficaces et efficients pour éduquer les masses populaires dans le pays du tiers-monde. Et en Haïti, le système connaît très bien la valeur et l'importance de la musique. Et c'est pour cela qu'il contrôle les artistes de pacotille afin de corrompre les jeunes. L'art en Haïti est contrôlé, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est forcément par le secteur privé haïtien. Ouais, bah, même s'il faut aussi souligner l'implication des médias, par exemple la radio-télévision Caraïbe et son radio qui pèse très lourd dans ce domaine. Majorité des programmes de la ville dépendent de la grande dame Caraïbe. Parce que des artistes qui ne trouvent pas la bénédiction de la télévision Caraïbe sont proches très souvent de l'échec. Et c'est le cas de Colonel Freeze qui a trouvé la bénédiction de Radio-Télévision Caraïbe. Et demandez-vous sur quels critères un musique vidéoclip est accepté dans un média. Si ce n'est que de la médiocrité, les concepts de l'artiste. Pensez-vous que c'est bien la jeunesse haïtienne qui n'aime pas Kéber, Blaiseron, etc. Pensez-vous que c'est la jeunesse haïtienne? Bien sûr que non. Mais la popularité d'un artiste en Haïti dépend de son orientation musicale. Détrompez-vous. Et le pire, c'est que les établissements jugés sérieux, disons les écoles congrégalistes, chez les sœurs, les mères et les frères aussi, on invite Tony Mix, méchanceté, blondeur et dit. Ajourez-vous les élèves. Quelle merde! Et comment un parent qui dépense tout cet argent pour son enfant peut accepter cette dérive? Il est clair qu'un gamin qui écoute ce genre de rabodaille, musique, je ne sais pas, ne peut en aucun cas respecter la fille. Et la fillette qui écoute ces chansons-là, elle va penser qu'elles sont des objets sexuels déjà. Et pourquoi pas? Yes! C'est normal! Que des objets sexuels pour des hommes bourreaux. On y met à deux vocales m'bakis encore. Et pourquoi ces genres de musique qui sont prescrites à nos enfants par l'État, les médias et l'élite économique? Dis-moi. Les artistes sont au service d'un système. Arrêtez de rêver. Et pourquoi dit Boulos, Akra, Moussignac, Digicel, Prestige et les autres maîtres du système ne pourraient jamais sponsoriser des musiques ou des activités qui dénoncent leur propre système pourri? Ils veulent une musique de préférence qui ne dérange pas le système. Même si on rabaisse les femmes, même si on détruit la jeunesse, c'est beaucoup mieux pour eux. Au lieu de sponsoriser une musique qui revendique l'éducation, loisirs, santé, travail, etc. Au contraire, il y a une chose qui est claire pour la bourgeoisie et l'État haïtien, c'est que la musique doit faire grouiller toutes les jeunes du pays 7 jours sur 7. Donc, pour cela, on donne les sponsors seulement aux artistes qui respectent cette démarche. Aussi simple que ça. Tony Mix est l'agent le plus utile, oui.
Il est l'agent le plus utile du système parce que sans lui, les jeunes auraient rebellé contre le système pour demander de l'éducation, santé, loisirs et du travail. Mais avec Tony Mix, on ne pense pas non à Petro-Caribé. Vous vous imaginez? Avec Tony Mix, on ne pense pas au fond volé par Boulos et Yuri dans l'ONA. Parce que Tony Mix empêche aux jeunes de voir que les vols de la Digicel fait en ce moment même. Et tant d'autres institutions du pays. Tony est le représentant de groupes d'artistes de pacotille utilisés par l'État et la bourgeoisie. Avec ce genre de rabodaille qui prône l'Ukraine, le sujet est connu d'avance. Les menaces gouillées, président alcoolé, puis que mon don là, nous gagnons l'argent, on a bien passé. Madame, on arrive sous nous, tout le monde domine nous. Et nous, cap mené. Avec Dieu, nous cap l'humain bien, et nous cap fait crever bien. Après, après ça, tout le monde dans notre pays. C'est grand l'âme de mon nom, oui, c'est tout le monde qui a préparé demain. Mais en Haïti, là, c'est notre job dans l'émission seulement, tout le monde domine la faillite. Voilà le rabodaille. Voilà le rabodaille musique idéale d'un système corrompu et mafieux. Le système corrompu et mafieux d'une élite économique cocourate et méchante. Et si Tony Mix et sa bande ne jouent plus ce style de musique rabodaille, cela va affaiblir le système complètement. De surcroît, dans les médias, on présente le DJ comme un modèle de réussite pour les jeunes en Haïti. Il n'est pas le responsable. Il fait business. Il fait son argent en donnant du plaisir au peuple. Donc, s'il est là, c'est à cause de son travail. Quel travail? Si les autres jeunes universitaires professionnels n'ont pas la réussite de Tony Mix, c'est parce qu'ils sont des crétins. Le DJ a du talent, il est doué. Il est fort, il est intelligent, il est très compétent. C'est un modèle à suivre. Voilà comment on fait croire la médiocrité aux jeunes. Qui donc, comme c'est l'argent l'a fait, l'Igne doit faire musique libre. Même si nous sommes au village de Dieu, faire l'argent, comme ça l'a fait tout, personne n'a pas dit rien. En effet, nous pouvons facilement comprendre maintenant pourquoi la musique et le rabodaille est devenu ce qu'elle est aujourd'hui là en Haïti. Une musique idiote qui fait l'éloge pour le plaisir sexuel, qui rabaisse les femmes en dedans le système à se reproduire en Haïti. Oh diable. Il y a des gens qui ne comprennent pas, qui disent que les compagnies, c'est l'argent à faire, c'est artiste qui a aidé eux, c'est eux-mêmes qui apprennent. Et Youssoufa, expliquez-moi, il n'est pas populaire la France. Donc, si c'est popularité à piéger, moi, je pense que jusqu'à présent, on ne parle pas là. Prestige qui a toujours choisi, bah, il a moi sans jouer un grand lame de sponsor parce que l'amour sans jouer populaire. Les populaires, en plus, là, l'affaire sociale. Et pour qui sort pas le sponsor Prestige. Avant de finir, est-ce que tu connais que tout? Son compagnie bien, République Dominicaine, voilà, fini là. Qui était l'actuel président nous, là, qui c'est Abinadel, Luis Abinadel. C'est eux-mêmes qui étaient à Lyon, boost d'étudiants en voie d'université. En boost d'excellence. C'est lui qui était à Lyon, bien boudou jolant. C'est lui qui était à Lyon. Pour te faire étudier ça en avant, parce que tu es quoi la qualité. Donc c'est ça qui fait à Lyon. Alors, mesdames, mademoiselles et messieurs, je choisis de partager cette vidéo ensemble avec nous. La jeunesse, je souhaite nous prendre en main. Parce que la société, ça, je ne peux pas arrêter comme ça. Si nous continuons à se lancer ça, n'a pas. Mesdames, mademoiselles et messieurs, c'était un plaisir d'être avec vous. Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci d'être ici avec moi. Connectez-vous, abonnez, likez, quittez un commentaire. Ou de soutenir Paola ensemble avec Zamounetti dans l'émission Paolon qui c'est Titi's Show. Donc, Netty promet tout que lui a pas vu tout côté le passé depuis téléphone en amont. Seulement besoin d'abonner. Une façon pour qu'on obtienne chaque contenu que nous-mêmes nous postons pour. N'abdou, bye bye et restez des nôtres. Au revoir.